Lors de cette 12e journée, le PSG n'a toujours pas trouvé la faille. Nouvelle démonstration face à Metz, match nul 0-0 score final. Paris n'a plus gagné depuis la 8e journée et se classe en 7e position. Metz est toujours dauphin devant Valenciennes. Si le FC Metz a fait match nul face au PSG, malheureusement, ils l'ont fait aussi contre Nice. Il reste l'occasion de prendre provisoirement la première place à Valenciennes. Metz reste toujours dauphin, mais est à la pointe de la Ajaccio. L'USS Nice est 14e. La Ajaccio au stade du jeu Derby Corse face au Sporting Club de Bastia, un but à 0. L'unique but de la rencontre dessiné Johan Cavalli à la 32e. Bastia n'a toujours pas n'a plus gagné depuis plusieurs matchs et reste barragiste à 2 points de Saint-Étienne. Le FC Sochaux s'impose face à Nantes. Le but de la rencontre, il est inscrit par Pierre Gibault à la 27e. Le FC Sochaux est 6e. Le FC Nantes, lui, est 12e. Les Girondins de Bordeaux occupent la 16e place. C'est dû à leur match nul contre Lorient. Les Lorient étaient mieux classés 10e. Bordeaux, 16e. Guingamp-Toulouse, match nul à 0-0 score final malgré les belles opportunités de Claude Dubois ici même. Guingamp est 11e. Le Toulouse Football Club est 5e. Lyon s'impose contre Caen. L'unique but de la rencontre face à grâce à Max Gonalon à la 15e. Lyon est 13e. Le Saint-Malherbe de Caen quitte le podium et est désormais 4e. L'AS Saint-Étienne fait match nul contre Lille, 0-0 score final. Ils sont avant-derniers avec seulement 12 points. Lille est 9e avec 36 unités. Et enfin, Valenciennes cartonne grâce à un quadruplé de Riedel Pouypon au 10e, 22e, 69e et 85e minute. Valenciennes a 43 points d'avance. Le classement, il est dominé par Valenciennes avec un point, avec 43 points de plus que le FC Metz. L'AS Ajaccio est 3e. Le FC Nantes occupe la 11e place, Lyon occupe la 13e grâce à sa victoire contre Caen. L'AS Saint-Étienne est toujours avant-dernier. Le programme de la 13e journée a que Valenciennes-Lorient, AS Ajaccio Sporting Club de Bastia, Lorient-Bordeaux, Nantes-Stade de Reims, Stade Malherbe de Caen, Olympique Lyonnais, Nice-Metz, Toulouse-Guingamp, Reims, plutôt Lens-FC Sochaux et pour terminer, Lille-PSG.